Pensez-vous que l'on devient truand parce qu'on est bon en rien? Je suis né truand. C'est dans mon sang. De 12 à 20 ans, j'ai tout appris. À l'ancienne, je me suis retrouvé dans le tunnel noir. J'en suis ressorti plus fort, 8 ans plus tard. Et bien sûr, je suis monté dans l'organigramme de la voyoucratie. J'ai pourtant essayé de rentrer dans les rangs. J'ai trouvé un travail honnête. Mais sérieusement, qui a envie d'attendre l'âge de 70 ans pour rouler en gros cabriolet ou siroter un cocktail sur la plage? Je n'ai jamais eu de patience. Je m'appelle Gino. Je bosse seul. Et j'ai une histoire à vous raconter. Chercher le mail de ta mère, je l'avais pas. Je viens de la prévenir, tu vas vivre chez elle. J'ai mis l'appartement à ton nom. Moi, je préfère l'envoyage. Ouais, encore? On se voit dans 8 ans, c'est ça? T'inquiète pas, mais viens me faire un câlin. Il était temps de changer de vie. Qu'est-ce qu'il me fallait pour être libre, moi? Pour moi, la liberté, c'était l'argent. Salut. Je devais retourner à ce que je savais faire de mieux. Faire des sous rapidement. Encore fait un beau service aujourd'hui, hein. Ça fait du bien. Dis-moi, Gino, depuis quelque temps, j'ai vu que quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'en ai marre, faut que je me casse. Je peux plus. Il faudrait un appartement, non? En vrai, je m'en charge. Tu peux faire ça? C'est ok. C'est cool. Trinque? Trinque. Je travaille dans ce restaurant depuis des années déjà. Depuis que j'avais décidé pour ma fille, principalement, de me ranger des voitures. J'avais peut-être fait le bon choix à l'époque. Je serais sûrement mort sinon. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Fallait que je mette ma fille à l'abri. Mon addiction à l'argent n'était pas la seule raison de mon départ. Il y avait cette femme, Isabelle. 222 chemin de Montjoux. Je vois la mer. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a la même philosophie de vie que vous? Pour moi, c'était la première fois. Elle bossait avec moi depuis des années. Et on s'était rapprochés au fil du temps. J'avais du mal à faire confiance aux gens. Comment lui dire la vérité sur mon passé? Et sur ce que je voulais entreprendre maintenant? Je ne me suis pas posé la question très longtemps. Elle n'a pas hésité un instant à tout quitter et me suivre. Même si je sais qu'elle était très inquiète. J'avais promis aux deux femmes de ma vie de leur offrir un bel avenir. Une vie libre et sans contraintes. Mais pour cela, elles devaient me faire confiance. Je devais faire quelque chose de dangereux avant. J'étais trop accro à la liberté pour rater mon coup.